Vous avez été beaucoup à m'envoyer des messages comme de quoi vous aimiez ça. Vous avez trippé sur le show avec Marc Boilard. J'ai reçu des commentaires de personnalités de radio. Puis j'étais tellement ravi. J'accorde trop d'importance à la radio encore. Le pire, c'est que j'en ferais... Tu sais, j'en ferais pas de radio si on me l'offrait. J'en ferais pas... je suis trop bien en podcast. Je veux pas faire de la radio. Je veux juste faire plus d'argent à faire du podcast. C'est ça que je veux dans ma vie. C'est ça que je veux. Mais toujours est-il que l'entrevue avec Marc, il y a bien du monde qui ont trippé. En tout cas, la plupart ont trippé. Puis j'ai rarement reçu autant de messages d'appréciation en privé, dans les commentaires. Les gens ont aimé Marc. Je pense qu'il y en a qui ont découvert Marc sur un autre angle. Peut-être que c'était la dernière image qu'il y avait de Marc, c'était quand il était à testostérone puis quand il faisait son personnage de Cruz. Mais sinon, c'est un gars super pertinent. Fait que oui, je vais le recevoir. Il veut revenir en juillet. On va se refaire ça. Une petite entrevue avec Marc. Puis sinon, ben Will, vous avez trippé sur Will. Vous aimez ça, les chroniques à Will. Quand Fav vient. En tout cas, je trouve il est en train de s'installer une belle dynamique qui se rajoute à Léo puis à Gab. Non! Ils s'en vont pas, Léo puis Gab. Ils sont là pour rester. C'est mes tout croches à moi. Ferme donc ta grande gueule sale. T'es en train de coulisser le bordel. Voilà. Praise the Lord. Il y en a un qui dit praise the Lord. Praise the Lord Jesus Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Let Jesus enter your soul, enter your mind. Let Jesus guide you through the light. Voilà. Ouais, le show, il est en train de prendre une petite coche parce que je suis là, je suis dedans. Je suis investi. Mes idées, mon projet, il se clarifie. Enfin bref, je trouve que c'est en train de prendre une belle direction tout ça. On y va avec... Ça, vous l'avez probablement déjà entendu. C'est une compilation de Gilles Proulx qui pète sa coche à radio. Puis je pense, si je me souviens bien, je m'en servais beaucoup comme transition, ça, avant. Il y avait des bouts que je me servais en transition. Mais de mémoire, c'est... Ouais, c'est ça. C'est une compilation. C'est des trucs qui ont été enregistrés, qui ont probablement pas passé en onde, mais c'est des bloopers que genre un technicien a ramassé puis qui a décidé de mettre sur internet. Et ça me fait rire, là. C'est que ça me fait rire. On passe ça. Joyeux temps des fêtes. Que c'est ça, joyeux temps des fêtes? Joyeuse fête, petite folle de calice. Ça passe jamais, tabarnak. Ça y est, c'est parti. Joyeuse fête, petite folle de calice. Joyeux temps des fêtes. Que c'est ça, joyeux temps des fêtes? Joyeuse fête, petite folle de calice. Ça passe jamais, tabarnak. Vous me faites faire des affaires, j'entends ramassant en nom, moi. J'entends pas Lascan avec son nez rouge tout le temps. Moi, j'entends pas. J'entends des promos aussi pour dessert. Pas Lascan, journal, j'entends jamais de promos. Qu'appelle, maudite folle de calice. Ils me prennent dessus pour le phénix, tabarnak. Ça, je le faisais jouer dans mon show. Cet petit bout-là. Qui appelle la tabarnak de calice. Prends-tu pour le phénix, tabarnak? Prends-tu pour le phénix, tabarnak? Ça te donne que rien encore, là! Qu'est-ce que tu veux? Tu veux une entrevue encore, maudit hein? Patient? Fais pas l'entrevue, maudit calice de sang récent. Arrête de crier, si! Appelle-moi subito presto, tabarnak. Mais pas dit subito presto, tu diras qu'il me rappelle avant qu'il rentre en onde. C'est ça que j'ai dit. Ouais. Il avait pas marqué urgence, si! Ah, marqué urgence! Ben, aussi, ben, aussi tant que Mac, puisque je dis, c'est deux affaires. Bon, ben, alors, c'est deux. Vous êtes deux hosties de fous, calice! Ben, c'est ça, rien que toi qui est intelligent. T'es pas des fous encore, là? Je suis bien malheureux d'être entouré d'imbéciles et d'inférieurs! Comme tous vous autres,
là-dessus. Je travaille dans un milieu médiocre avec des peules, des bazoutalènes, des ignorants. C'est quoi un bazoutalène? Bazoutalène. Je l'écris. Non, il y a juste ça. Il y a juste Gilles Proulx qui a dit ça. Bazoutalène. C'est quoi, définition, c'est quoi? Il y a juste Gilles Proulx qui a dit ça. Je ne sais pas, c'est ça. J'ai aucune idée c'est quoi bazoutalène, mais ça n'existe pas. Je pensais que c'était un vrai mot. Paul, des bazoutalènes, c'est des ignorants. Il n'y a pas de service au numéro. Oh, ma crise, fais-toi, tabarnak. Il n'y a pas de service au numéro que vous... Mais la tabarnak, on va l'avoir sur la gueule. Tabarnak. Le directeur du bureau du directeur, c'est beau en sacrament comme pléonasme, la grande. Si le directeur n'a pas de bureau du directeur, c'est son bureau à lui qu'on laisse. Qui mange la mort? Ça, il y a des cotes à aller chercher. Il y a des cotes à aller chercher partout là-dedans. Le directeur, c'est son bureau à lui qu'on laisse. Qui mange la merde, tabarnak? Je suis pas dedans, puis je le ferai pas. S'il y a des limites de faire de la gymnastique, c'est... Qui mange la colisse de merde, c'est... Qui aille chier, puis qui mange la merde, qui aille chier. Ah, il y a Régamotte qui dit bazoutalène, ça vient de Tintin. Je pense que oui, c'était pas un truc que disait le capitaine Haddock, ça. Bazoutalène. Tu l'as pris pour lui dire colisse de merde, c'est qui a chier, qui mange la merde, qui a chier. Tu l'as pris pour lui dire tout ça, là, tout bien. Il y a des tabarnaks de limite, si moi je suis pas un acrobate, c'est de colisse. Ben, qui a chier, tabarnak. Des fois, je suis pas capable. Je te prends direct, Colis. Comment ça se fait, tabarnak? Mon asti! Je pense qu'il choque après le système téléphonique. Voyons, tabarnak, où c'est la faille, Colis? Il est venu l'enlever, le petit chien, pendant que je parlais, Colis! Qu'est-ce qu'il a enlevé? Voyons, tabarnak, où c'est la feuille, calice? Il est venu l'enlever, le petit chien, pendant que je parlais, calice. Donne-moi la feuille, la bonne femme des tonneaux, je suis en train de faire mon commentaire, là, je sais pendant que je parlais. Qu'est-ce que tu fais avec ça, toi, Chris? Ah, j'ai mal au ventre. Ah, c'est-tu que j'ai mal au ventre? Mon asti! Voyons, tabarnak, où c'est la feuille, calice? Il est venu l'enlever, le petit chien, pendant que je parle. Plus je l'écoute, plus ça va pas d'allure, cette asti! Qu'est-ce que c'est, tabarnak? Mon asti! Voyons, tabarnak, où c'est la feuille, calice? Il est venu l'enlever, le petit chien, pendant que je parle, calice! Ah!
Voyons, tabarnak, où c'est la feuille, calice? J'ai dû l'enlever, le petit chien, pendant que je parlais, calice. Donne-moi la feuille, la bonne femme des tonneaux, je suis en train de faire mon commentaire, la charge tabarnak. Tabarnak! Qu'est-ce que tu fais avec ça, toi, Chris? Oh. Apporte-la, mon tabarnak. Mon assis chien de calice. Parce que c'est juste un des pygmées, calice.